Hey, Matelot ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Minecraft pour réaliser cette maison. Et voilà, je vais vous faire un petit peu le tour de la maison pour pouvoir vous montrer tout ça. C'est une adaptation, c'est une réinspiration d'une maison qui avait déjà été faite par un autre youtubeur il y a quelques années de ça. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est intéressant comme style. Et j'avais envie de reprendre le même style de maison avec des grandes parties en noir et en blanc, un peu en, comment dire, en nuances de gris, tout ça. Du coup, je vous propose cette maison-là aujourd'hui. Voilà. Hop. Ok, donc je vais vous donner l'ensemble des blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Hop. Ok, donc une fois que vous avez ça, je vous invite à venir faire l'empreinte au sol de la maison. La maison est posée sur un espèce de petit socle en roche lisse que l'on va refaire ici. Hop, vous voyez. Donc je vais partir du coin ici qui est donc l'avant de la maison, d'accord. Et à partir de ce bloc là, on va sur le côté, hop, et jusque là on a 12 blocs de long. On fait 1, 2, 3 blocs ici comme ça. Entre ici et ici, on a 12 blocs encore de roche lisse. Entre ici et là, on en a 13. Puis entre ici et ici, on en a 4. Hop, on remonte maintenant et on en a 11 au total. Entre le coin ici et celui-là, il y en a 4. Je prends toujours les coins à chaque fois. Hop, entre ce bloc-là et ce bloc-là, on en a 6. Puis entre là et... Là, pardon, il y en a 4. Entre là et là, il y en a 4 aussi. Là, 2 comme ça. Et entre là et là, il y en a 4. Et on arrive vraiment en haut de la forme. Entre ici et ici, on en a 19. Entre là et là, c'est 4. Hop, jusque là, ici, c'est 13. On redescend jusqu'ici et on en a 5. Entre ici et là, on en a 4. On redescend entre le coin ici et le coin ici, on en a 20. Entre le coin là et le coin là, on en a 4. Hop, entre celui-ci et celui-ci, il y en a 7. Entre là et là, il y a 13 blocs. Et normalement, entre là et là, vous avez 4 blocs qui font revenir au point de départ. Très bien, une fois qu'on a ça, on peut remplir toute la surface en blocs de roche lisse ou en dalles de roche lisse parce que ça coûte moins cher si vous êtes en survival. Hein. Si vous êtes en survie, les dalles de roche lisse, voilà, faites comme ça, ça coûte moins cher. Hop, allez, on remplit toute la surface. Hop, et voilà ce que l'on obtient. Hop, alors maintenant je vous ai mis l'empreinte au sol pour la partie centrale de la maison elle-même. Vous voyez, donc c'est l'espèce de grand... La porte d'entrée en fait, la très 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 grande porte d'entrée ici, là, vous voyez, tout en andésite. Ok, je vais vous donner les dimensions pour réaliser ça. On va partir du coin que l'on avait tout à l'heure, hein, ici, d'accord. On va compter 1 et 2 blocs sur le côté, donc on est 1, 2, 3 blocs ici comme ça. Puis 1, 2, 3, 4 et 5 blocs par devant et on va poser notre premier bloc d'andésite ici. On fait un petit carré, comme ça, voilà, de 4 blocs. On va laisser 1, 2, 3, 4 blocs d'espace et on refait un petit carré comme ça, aligné avec l'autre. Ok. Hop, entre ici et ici, on a 10 blocs et donc la même chose de l'autre côté. Hein, tac et tac, ça fait 10 blocs. On va laisser une ouverture pour une porte à l'intérieur de la maison de hop, 8 blocs. Ça sera la même chose de chaque côté. Hein. Puis on reprend nos murs en andésite jusque ici à 8 blocs également. On refait un petit carré comme ça, on laisse 4 blocs d'espace, on refait un petit carré. Et maintenant d'ailleurs que je vous dis qu'il y aura des portes à l'intérieur de la maison, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas regardé l'intérieur de la maison. J'ai volé autour mais pas à l'intérieur, donc voilà, hop,
pour entrer ici à l'intérieur, en gros, j'ai juste fait les pièces et les éclairages, mais j'ai pas aménagé, hein, donc ça va aller assez vite. Vous voyez, hop, un peu à quoi ça ressemble. Et donc, pour aller à l'étage, il faudra prendre cet escalier. Youp. Voilà, donc j'ai fait l'éclairage, mais c'est à peu près tout. Hop, ainsi que les pièces, voilà, les pièces et les éclairages. Hop, ici c'est une très grande pièce, donc j'ai voulu faire une mezzanine pour pouvoir avoir un escalier, sinon c'était un peu galère, pour pouvoir aller au dernier étage ici, jusqu'à la terrasse du toit. Voilà pour la visite, c'était assez rapide. Hop, pour reprendre notre grande porte d'entrée, la grande structure principale, on va venir prendre notre coin ici et on va venir faire un pilier de 18 blocs de hauteur. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je crois que j'ai cliqué plus vite que ce que j'ai compté. Non, c'est bon. Ok, à partir de ce bloc là, on va venir faire un coffrage en fait autour des coins. Hop, voilà, chaque coin. Là-bas, là-bas et les deux ici, on va les monter à 18 blocs de hauteur. Et on va tous les relier entre eux pour vraiment faire un hop, un coffrage, comme je disais. Hein. Hop, les délimitations de la structure. Hop. Youp. Hop. Et hop. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir faire les ouvertures à l'intérieur de la maison. Donc, ici... Et ici, ce seront des ouvertures de 6 blocs de hauteur. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7e bloc pour faire le dessus. Ici, comme ça. Vous voyez? La même chose en face. Hop. 6 blocs de hauteur pour notre porte. Enfin, pour notre porte. Oui, c'est une porte. Hop, ça, ça sera donc les ouvertures pour le premier étage. Hop, au-dessus, on rajoute... une ligne comme ça sur toute la longueur de la machin. Hop. Hop. D'accord. Et on va faire une ouverture pour le deuxième étage. Hein, pour qu'on puisse circuler entre les étages dans la maison, tout simplement. On va le faire à 4 blocs de hauteur celui-là. Et on va le faire un petit peu plus large. Par rapport à la fenêtre en dessous, vous voyez... Vous laissez deux blocs, et à partir de ce bloc-là, je vais plutôt partir à partir d'ici. À partir de là, du coup, vous avez 1, 2, 3, 4 blocs sur le côté avant d'avoir un pilier, d'accord? Et de l'autre côté, vous allez juste un bloc sur le côté pour avoir un pilier de 4 blocs de haut. La même chose sur le côté. Hop, sur l'autre côté, hein. Tac, tac, tac. Et maintenant, l'idée, c'est que tous les trous autour de ces portes, ici vous avez une porte et ici aussi, hein, la même chose de l'autre côté, tout le reste on va le combler, je vais vous montrer ça. Hop, voilà un peu ce que ça donne, hein. Donc on comble vraiment les murs autour des ouvertures, voilà. On va faire la même chose avec le toit, hein. Tout ici il est resté ouvert, on va le combler également. Hop, voilà ce que ça donne avec le toit fini. Sur les façades du bâtiment, on va tout simplement prolonger ici, vous voyez, les blocs qui restent. Hop, on va, qui nous restait du début, hein, on va les prolonger comme ça. Tac, tac, de chaque côté. Il faudra faire la même chose de l'autre côté du bâtiment aussi. Hein. Hop, hop. Ici, comme ça. Et on va rajouter une ligne ici de deux blocs de d'andésite, voilà comme ça. D'accord, on fera la même chose de l'autre côté, moi je le fais pas pour gagner du temps sur la vidéo. Hop, alors du coup maintenant on va faire la partie en quartz ici, et je vais vous donner les dimensions. En gros, il va falloir prendre du quartz lisse, n'est-ce pas? Vous allez partir du coin ici de la maison, on va compter 1 et 2 blocs sur le côté, un bloc par l'avant, et paf, votre premier bloc de quartz magnifique. Ici, on va faire du coup un pilier entre ici jusque là de 8 blocs de hauteur, n'est-ce pas? Magnifique. Entre là et ici sur la droite jusqu'ici, vous avez 9 blocs, et après on remet un pilier comme ça jusqu'à par terre. Et puis voilà, c'est déjà très très bien. Hop, on va repartir ici sur notre coin. On va prendre ce bloc là, on va aller vers l'arrière de la maison. Jusque là-bas, ce qui va faire 31 blocs au total entre les deux coins.
À partir de ce bloc-là, on va mettre un pilier pour descendre tout jusqu'à par terre. Et normalement, vous êtes pile poil sur la diagonale avec ce bout ici, vous voyez ? Cette espèce de petit coin qu'on avait laissé là. Ben normalement, vous êtes pile ici sur la diagonale. Hop ! On reprend notre bloc à ce niveau-là. Et on va sur le côté, youp, jusqu'ici, à 11 blocs. Puis après, on va vers l'avant de la maison. Entre ce bloc-là et ce bloc ici, vous êtes à 23 blocs au total. Et normalement, si vous avez bien fait les choses, vous devriez longer le mur qu'il y a en andésite ici, juste à côté, être au même niveau que l'ouverture qu'on avait fait ici, et ça est arrivé pile poil sur le bord, ici, vous voyez, de l'ouverture. Ah oui, c'est fait exprès, hein, c'est fou. Une fois qu'on a ça, on va venir remplir les surfaces. Hop, ici sur la façade, on va faire hop comme ça. On va faire un trou. Voilà, on va laisser une grande fenêtre ici en plein milieu. Ici sur le côté, on va entièrement combler la façade. Hop. Alors, on met aussi des blocs hein, sur le sol comme ça directement. On épouse complètement la forme du sol ici comme ça. Hop, 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 et vous voyez, et on va combler toute cette surface ici. On va également combler toute la surface qu'il y a au-dessus ici. Ok, let's go. Et hop. Ok, une fois qu'on a rempli ces surfaces, là, on va faire ici, vous voyez, dans le creux, eh bien, on a juste la place pour un escalier. Ce qui est vachement bien, vu que c'est ce qu'on a prévu de faire. Hop, on va prendre des blocs d'escalier en quartz lisse. Et on va venir mettre des escaliers à côté ici, comme ça, vous voyez. Et on va en mettre, alors, ici sur l'arrière des premiers blocs, on va juste mettre des blocs comme ça. Puis après, comme ça. Puis après, on va monter comme ça, petit à petit, hop, jusqu'à arriver à la même hauteur que le reste des hop blocs, tac tac, et vous voyez, tac tac, on arrive pile là où il faut, hop hop, on fait ça comme ça. Alors sur le côté ici, vous voyez, eh bien il n'y a pas de mur, donc on va rajouter un mur, hop 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 hop, et voyez ce que ça donne. Alors du coup ici, on va prolonger les escaliers en quartz à l'envers comme ça, tac tac, sur les murs, pour que ça donne un aspect un peu plus lisse, un peu plus sympa au mur du point de vue de l'intérieur de la maison. Alors je dois faire un petit erratum ici, vous voyez le mur, bah, je pensais que c'était nickel, mais en fait on va le prolonger de 4 blocs ici de ce côté là en fait les ouvertures sont pas la même d'un côté ou de l'autre, j'ai fait une petite erreur. De l'autre côté de la maison du coup, maintenant c'est vrai que j'ai pas fait ça. Hop, de l'autre côté de la maison, ici, voilà à quoi ça ressemble. On va mettre une ligne de blocs ici, comme ça. Hop, tac, tac. Tac, 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 tac. Sur les 3 premiers blocs, comme ça, on va doubler l'épaisseur des murs. Hop. Sur les 3 premiers blocs, à partir de l'arrière de la maison, oui, c'est ça. Jusqu'ici. Hop, ok. Alors, on va reprendre maintenant les blocs d'andésite et on va venir faire... Hop, un mur ici comme ça. Alors on va pas faire un mur plein et complet, en fait on va mettre une ouverture ici, on va faire une porte de 3 blocs. Hop, hop. Ici ça nous fait une porte de 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur, donc ça paraît pas mal. Et ici on va faire une fenêtre de 3 blocs de large sur 2 blocs de hauteur. Vous voyez, comme ça. Ici, je vais faire la façade rapidement. Hop, 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 hop. Comme ça. Et on va prolonger ici. Hop, hop. On va prolonger comme ça. C'est-à-dire qu'on va laisser une porte ici de 4 blocs de hauteur. Après, au-dessus, on va combler complètement... le mur hein, tout simplement, et on va le faire sur une hauteur de 6 blocs, d'accord, et on va combler le mur sur 6 blocs comme ça, ce qui va nous permettre de laisser passer hop la partie en quartz lisse comme ça qui va se prolonger sur le côté de la maison, hop comme ça. Elle va encore se prolonger, mais pour l'instant on n'a pas fait ce côté là de la maison, donc je laisse ça comme ça. Ok, donc pour l'instant on est pas mal, on va faire la structure du dessus.
Pour faire la partie du dessus, on va utiliser des blocs de béton gris clair, n'est-ce pas? Hop, on va ici sur le coin de la maison, en partie en quartz, et on va un bloc au-dessus, un bloc sur le côté, donc en diagonale ici comme ça, on va mettre notre premier bloc de béton gris. On en met deux, ici comme ça, vous voyez. Puis on fait un pilier ici sur le côté, entre là et là, vous avez 8 blocs. Entre ici et ici, vous avez 13 blocs et vous arrivez pile poil sur le côté de la partie en andésite. Youp! On revient ici et sur l'arrière de la maison, vers l'arrière de la maison, on a une ligne jusqu'ici de 13 blocs. Puis on fait 2 et 3 blocs ici comme ça. Entre ce bloc là et ici, on en a 9. Entre là et là, on en a 3. Et entre là et là, on en a 7. Puis entre ici et là, on en a 13. Normalement, vous avez un bloc de décalage par rapport à la partie en andésite. Youp! On revient ici, on fait une ligne en dessous, jusque là quasiment, pour avoir la même forme que ce qu'on avait de l'autre côté ici. À savoir, voilà, jusque là, deux blocs en diagonale par rapport à la partie en quartz. Ok, une fois qu'on a ce squelette de maison, finalement, on va faire la même chose ici au niveau du bas. On va suivre la ligne qu'on a mis en haut, hein, tac, tac, tac. Alors, si tant est que j'arrive à placer les blocs où il faut, ici comme ça, paf, paf. Et ici, on va s'arrêter là. Hop, voilà, on est aligné, 1, 2, et puis c'est bon. Alors, une fois qu'on a ça, on va faire les murs jusqu'en haut. Faudra faire ce mur là aussi. Ici, on va doubler comme ça. Ok. Tac, tac. Ok, comme ça. Et donc, cette partie là, ainsi que cette partie là, ainsi que du coup, la partie du dessus. Hop. Je mets ça pour bien voir. Hop. La partie du dessus aussi. On va les combler. On va entièrement les mettre en béton gris, hein, comme vous pouvez le voir là-bas. Mais la partie ici, là, qu'on a ouvert, elle va rester ouverte. D'accord? Allez, on fait ça. Et hop. Voilà ce que ça donne. Alors, on va venir maintenant en dessous. Ici, vous voyez, on a des lignes comme ça qui sont toutes ouvertes. Donc, on va les combler. Tac, 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 tac. Hop. De l'autre côté aussi. Ici, comme ça, hein, vous voyez, du coup, c'est mieux. Alors, maintenant, on va sur la façade. Et on va... Alors là, j'ai mis quelques blocs pour les repères. Vous allez comprendre après. Hop. Sur la façade, ici, vous voyez, donc on reprend notre bloc. Et on va venir mettre une ligne de béton ici, comme ça. Puis en dessous du toit également. D'accord? Et on va... Comptez à partir de notre coin ici, 1, 2, 3, 4 et 5. À partir du cinquième bloc, on va mettre notre bloc de béton gris. Pour le coup, là c'est du béton gris clair, là c'est juste du béton gris. Et on va faire une ligne de... Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 blocs jusque là. D'accord? Puis après on va vers l'arrière de la maison, on compte 1, 2, 3, 4 et 5 blocs. On en met un autre par devant, enfin par le côté. Alors, on va prendre après les blocs de béton gris et on va venir faire voilà, une ligne de béton moi jusque là, jusqu'au niveau du bloc de béton gris. Hop. Yep, jusque de l'autre côté de la maison. On va remplir cette surface rapidement. Hop, pour que ça fasse plus joli, mieux, voilà. Ok. La partie en béton gris, on va... Ouais, alors, la montée, faire un mur avec, mais on va pas... Oh là 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 là, je clique n'importe où. Yup. Et on va, en fait, creuser dedans après pour faire des fenêtres et des portes. Hop. Alors, tac, 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 tac. On met du béton gris ici aussi, comme ça. Ok. Ici, on va rajouter... Voilà. Du béton comme ça. Alors, sur cette partie ici, en fait, sur le côté à ce niveau-là, on va laisser un bloc sur le côté et on va ouvrir sur 4 blocs de hauteur. On va faire une porte. Sur le côté ici, une fenêtre comme ça. Ou peut-être comme ça. Ouais, en carré, c'est peut-être mieux.
Et ici, bah, on fait une ouverture pour la porte, hein, comme je disais. Ok, voilà pour l'avant de la maison. On va sur l'arrière maintenant, hein, qui ressemble absolument à rien. Hop, on va combler ici la ligne de, béton, tout simplement pour pouvoir faire un truc un peu plus esthétique, n'est-ce pas? On va jusque de l'autre côté et ici on comble complètement la surface. Hop, 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 voilà. Hein, on va jusque à la partie ici ouverte, comme ça, vous voyez. Alors, une fois qu'on a ça, on va venir mettre un grand mur ici pour cacher tout ça. Et on va, en fait, faire le mur dans le prolongement de la partie ouverte ici, comme ça. Hop, comme ça, donc on va faire un mur donc entre ici jusque là, de 9 blocs de longueur. Et en face, on va rajouter des andésites comme ça pour vraiment faire un mur complet comme il faut. Hop. Hop. Allez, on va faire un truc un peu propre. Ok, et on va faire deux fenêtres ici comme ça, tac tac et tac tac. Splendide, magnifique, incroyable, n'est-ce pas? Je sais, je sais. Ok, une fois qu'on a ça, bah, ce serait pas mal de passer à l'autre côté de la maison. Hop. Alors, on va vers l'avant de la maison pour que ça soit plus clair. Youp. Voilà ce que ça donne. J'ai fait une partie de la structure en béton gris clair qu'il y a sur le côté droit de la maison. Donc, on va prendre la partie centrale en andésite. On va dans le coin ici. Hop, on va dans ce coin-là, on compte 1, 2 et 3 blocs à l'arrière de la partie en andésite. On met un bloc de béton gris clair, oui monsieur, et madame, et mesdames, pardon. Hop, on fait un grand pilier entre là et tout au-dessus de 20 blocs, jusque là, de 20 blocs de hauteur. Puis sur le côté droit, entre là et là, on en a 13. Entre ce bloc-là, vers le bas jusqu'ici on en a 12 et donc entre là et là fatalement on en a 13 aussi. Ok, normalement vous avez cette forme là. Hop, on va à l'arrière de la maison comme ça, on prend notre coin ici et entre ce coin là et youp, tout jusque ici on a 21 blocs, d'accord. Donc on va vers le haut et normalement vous avez 12 blocs, hein, comme l'autre côté, c'est normal. Vous reliez les deux coins ici comme ça. Et entre ce bloc là et sur le côté ici, on fait une ligne de 13 blocs pour être aligné avec l'autre en face et on les relie tout simplement. On fait une ligne de blocs. Et à partir de ce bloc là, en fait, eh bien, on descend tout en bas de la maison jusqu'ici. Normalement, si vous êtes arrivé au bon endroit, vous devriez avoir 1, 2, 3 blocs jusqu'au devant de la partie en andésite ici comme ça. Ok, une fois qu'on a ça, alors surtout il ne faut pas relier ce bloc là et cela, d'accord? Ça reste ouvert. On va prendre le béton gris clair et on va doubler l'épaisseur ici de notre pilier en andésite, en béton, pardon. La même chose ici, hop, la même chose ici, voilà. Hop, la même chose sur l'avant de la maison ici, vous voyez. On va doubler l'épaisseur du pilier ici comme ça, tac. Tac, ici aussi sur le toit, ici aussi sur le côté, tac. Ici aussi par contre, si je me souviens bien, on laisse juste un bloc tout seul. Normalement oui, hein. Ok. Alors, par contre, du coup, ici sur le côté, ainsi que sur le toit, eh bien on va entièrement remplir les... surfaces. Hop, voilà, donc j'ai rempli le toit et le côté. On va aussi mettre une ligne de bloc ici, hop, pour combler le trou par rapport au-dessus. Et alors, on va rester à l'intérieur de la maison cette fois-ci et on va faire quelque chose d'un peu particulier. En fait, on va doubler encore l'épaisseur ici de nos piliers, tac, tac, hop, tout jusqu'en haut. Et en fait, on va doubler carrément toute la façade de la maison, ici au-dessus aussi, sur le côté, hop, jusque là aussi.
En fait, ça va nous servir pour faire des fenêtres qui vont faire deux blocs d'épaisseur. La même chose de l'autre côté de la maison, hein, tac tac. Hop, ici, hein, pareil au niveau du toit. Et sur le côté, voilà. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir faire la dernière partie en dessous. Et après, on fera vraiment juste les deux petites parties au-dessus. Et on aura fini la structure. Hop, alors, du coup, j'ai mis en place la pièce du dessous. Hein, vous voyez, donc pour l'instant, j'ai mis juste les contours. Je vais vous donner ça. Il va vous falloir vous munir prestement de béton gris. Voilà. On va venir prendre ici, vous voyez, le coin à ce niveau-là de la maison. Hop. Et on va mettre notre premier béton gris sur la diagonale, ici, comme ça. Ok, à partir de là, on va sur la gauche et on fait une ligne jusqu'ici de 11 blocs au total. Entre ce bloc-là et le bloc tout au fond là-bas, youp. Ici, on en a 28. Petite astuce, normalement, vous avez juste un dernier bloc de roche lisse avant de toucher l'herbe. Hop, à partir de ce bloc là, juste que sur le côté ici, vous avez 11 blocs, comme l'autre côté, c'est normal, et vous êtes pareil sur la diagonale par rapport à l'herbe, par rapport à la bloc de roche lisse ici. Donc on les relie les deux comme ça, hein. Hop, entre là et ici au-dessus, on a 8 blocs, entre ce bloc là et sur le côté ici, on a 11 blocs, et on redescend pour refaire un carré comme ça. Oui, c'est pas un carré, puisque c'est pas carré, mais ouvrez vos chakras, vous y verrez un carré. Voilà, n'est-ce pas? Hop, la même chose de l'autre côté, évidemment. Hein, on fait un pilier entre là et là de 8 blocs de hauteur, entre ici et ici de 11 blocs, et on redescend entre là et là de 8 blocs, et on relie tous les coins, ici à celui-là là-bas, celui-là à ici, et celui-là à là-bas, ainsi que celui-là à ici. Normalement, vous avez un grand carré comme ça. C'est pas un carré, je sais, mais voilà. Moi, j'appelle ça un carré, parce que ça ressemble à un carré. Bref, une fois que vous avez ça, sur la façade, on va doubler l'épaisseur, ici, des piliers en béton gris. Ok. On va... Alors ici ça va être l'ouverture, donc ça va être un peu particulier. On va mettre des murs de béton gris jusqu'ici. En fait, donc par rapport à ce bloc là, vous voyez, jusque là, on va mettre une ligne de 9 blocs de béton. D'accord? Et on va les faire monter jusqu'au plafond comme ça. On fait ça vite fait. Ok. Et de l'autre côté, ça va être la même chose, on va venir mettre une ligne de béton jusque ici, c'est-à-dire qu'on va faire entre ce bloc ici, d'accord, et ce bloc là, une ligne de 7 blocs de béton, qu'on monte là aussi jusqu'au plafond, hein, rapidement, hop, tac tac. Et en fait, l'idée, c'est que l'on va venir utiliser les blocs en andésite, tac 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 tac, comme ça. Hop, 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 comme ça aussi, vous voyez, ça fait complètement le tour de l'entrée. Hop, hop, comme ça. Pour l'instant, on s'arrête là, on va les prolonger un petit peu plus loin après, mais pour l'instant, on s'arrête là. On va remplir des surfaces. Donc, on va remplir tout le sol, ici, vous voyez, on va le remplir en béton gris. Ok, donc une fois qu'on a rempli ça, on va remplir le plafond aussi également, hein, vous voyez, à ce niveau-là. Donc toute la surface, bon, jusque là-bas, hein, tout en entier. Ok, alors, une fois qu'on a mis notre toit ici comme ça, hein, vous voyez, hop, on va mettre ce dernier mur ici, on va le remplir, sauf que on va... Hop, faire un mur depuis la façade ici comme ça. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9 blocs. Et à partir de là, on va faire un mur comme ça. On va monter et toute cette partie-là, on va la combler. Hein, je fais ça rapidement. Et après, à côté de ça, on va faire une ouverture. On va faire une porte hop, qui donne sur l'extérieur. Ici, comme ça. Donc... On va compter 1, 2, 3 et 4 blocs de hauteur. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs. Et à partir de là, on va combler ici. Et là, vous voyez,
on a fait l'ouverture de la porte que l'on va utiliser. Tout le reste, ici et là, on va le combler en béton. Ok, donc voilà ce que ça donne, hein, juste avec l'ouverture ici. Alors, sur l'arrière maintenant de la maison, on va mettre une petite, un petit mur à l'arrière comme ça. Donc, je vous invite à prendre des blocs d'andésite. À partir du coin ici, hein, vous voyez, vous prenez ce bloc là, on va compter 1, 2, 3 et 4 blocs. À partir du quatrième bloc, on met un bloc d'andésite. On va sur l'arrière en mettant 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs, ok, sur la longueur. Puis, deux blocs par l'arrière ici comme ça, ok. Une fois que, alors je vais reprendre une potion de vision nocturne et on y verra mieux à l'intérieur. Voilà, une fois qu'on a ça, alors nos murs ici d'andésite qu'on avait laissé tel quel tout à l'heure, en fait on va les prolonger de 1, 2, 3 blocs, vous voyez, pour être aligné avec l'autre là-bas. Hop, hop, hop. Et donc la même hein, sur l'ensemble de la longueur, hop. Yep. Voilà, ça fait une pièce assez intéressante. Alors oui, cette partie-là, on va évidemment la monter au plafond aussi. Tac, tac. Hop, hop, hop. Alors, cette pièce-là, du coup, à l'arrière, on va la laisser telle qu'elle, c'est-à-dire que ça va être la seule pièce de la maison qui va être en mur simple. Les autres pièces seront toujours des murs doubles, sauf au niveau du toit et de cette partie-là. Alors ici, on va rajouter deux fenêtres, une fenêtre ou deux, je sais plus, une ou deux fenêtres, une grande fenêtre, bon très bien, ça c'est un peu la même chose, une grande fenêtre ici sur 5 blocs de longueur, hop, ici comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, et puis voilà. Alors à l'intérieur, on va doubler l'épaisseur du mur, parce qu'on a besoin de mettre des fenêtres qui ont besoin d'avoir deux blocs d'épaisseur, donc il faut doubler l'épaisseur des murs. La même chose ici sur l'avant de la maison, on va doubler l'épaisseur du mur, hop, comme ça. Fantastique, n'est-ce pas? Magnifique, incroyable. Alors au niveau, alors maintenant il nous reste en gros les étages du dessus ainsi que l'intérieur. C'est vrai que pour l'instant l'intérieur il n'est pas fait du tout. Alors oui, il nous reste aussi cette partie-là à l'arrière, vous voyez, donc on va reprendre la partie en quartz et on va la venir la prolonger ici comme ça pour qu'elle remplisse ce creux ici. Et on la double en épaisseur, encore une fois, hein, on double toujours. Voilà l'idée. Alors, à l'intérieur de la maison, on va faire le sol quand même, ça serait pas mal. Donc on va venir ouvrir ici sur la longueur. On va prolonger les blocs de quartz ici comme ça. Hop. Et on va... Allez, voilà. Tac, 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 tac. On va ouvrir ici la ligne de blocs d'andésite. Ok. Et on va venir mettre en fait une ligne de... Alors on peut mettre soit... Alors là vous avez le choix. Vous avez le choix pour le coup. Des dalles en andésite, alors en andésite, voilà ici, ou des escaliers en quartz lisse. Je vais vous faire moitié-moitié, évidemment j'ai viré les dalles d'andésite dont j'avais besoin, je suis un malin. Hop, voilà. Hop, je vais mettre les dalles en andésite d'un côté et les escaliers en quartz lisse de l'autre côté, sachant que le côté haut ici de l'escalier doit coller avec la partie en quartz. Et tout le reste ici de du trou qu'il y a, en fait on va le remplir en bloc de béton. Voilà. Et donc vous avez un peu la transition entre les deux comment on appelle ça, les deux sols finalement, hein, le sol en quartz d'un côté, le sol en béton de l'autre. Et donc pour faire la transition sans avoir de connexion de texture, on peut faire donc soit des escaliers, soit des dalles, comme vous voulez. Hop, là je vais tester des dalles pour voir, hein. Et voilà ce que ça donne. Alors au niveau des blocs de quartz, on va les prolonger ici, hop, sur toute la surface à ce niveau-là, hop, vous voyez, pour pouvoir remplir l'espace ici. Et par l'avant de la maison, ici, ce sera une grande fenêtre, et en fait, on va venir jusqu'à 1, 2, 3, 4 blocs ici, comme ça, et on va laisser 1, 2, 3, 4 blocs sur le côté, hop.
à l'arrière de la fenêtre pour que ça soit vraiment une grande grande fenêtre, de sorte que lorsque vous allez rentrer dans la maison, vous allez avoir une hauteur sous plafond complètement folle. Alors, on va faire les parties du dessus maintenant, les petites structures qu'on a mises sur le toit. Ok, on en a deux comme ça. Je vous invite à prendre le coin de la maison à ce niveau-là, d'accord? On va compter à partir de là, jusqu'ici 6 blocs. Et de là jusque sous le machin, 4 blocs. Donc 1, 2, 3 et au quatrième bloc, on pose notre bloc de béton. On fait un pilier de 5 blocs de hauteur, puis après on va sur la gauche entre là et là, on a 10 blocs en tout. Puis après on refait un pilier vers le bas jusqu'à 7 blocs en tout. Ok, une fois qu'on a ça, on reprend notre coin ici et entre là et à l'arrière ici, on a 17 blocs. On va tout en dessous comme ça, hein, on fait un pilier jusqu'au sol et normalement vous avez un bloc de marge par rapport au vide. Youp! On revient ici, entre là et là, vous avez 10 blocs, hein, comme l'autre côté, normal. Puis vous faites un pilier jusqu'au sol qui doit faire 7 blocs au total. Ok. On reste sur ce pilier et on va reprendre nos bétons gris, hein, au niveau de la base de notre pilier. On va rajouter un bloc par devant, tac, ici comme ça. Et on va faire un nouveau pilier de 1, 2, 3, 4 et 5 blocs de hauteur. D'accord ? Ça va être notre pilier pour notre deuxième structure. A partir de là, on va sur le côté jusqu'ici. On a 14 blocs au total. Puis après, on fait un pilier jusqu'au sol. De là jusque là qui fait 7 blocs. Entre ici et l'autre coin là-bas vers l'avant de la maison. Ici, on a 9 blocs. Pareil, on fait un pilier jusqu'au sol. Hop, je me mets comme ça. Et entre ce bloc-là et celui ici, vous avez 13 blocs et normalement on va toucher ici le mur qu'on va mettre à ce niveau-là. Ok, donc normalement vous avez cette structure-là. Ok, donc on va entièrement combler les murs qu'il y a ici. Alors attendez, tac, 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 tac. Il est où le pilier? Il est là. Hop. Vous voyez, donc là j'ai fait le pilier ici. Hop, hop. Hop, la partie du mur qui est là, on va entièrement la combler. Hop, ainsi que la partie du mur au-dessus ici. D'accord? Tout le dessus, bien sûr, du toit à ce niveau-là va être comblé. Ainsi que l'autre côté ici, vous voyez, hein, donc tout, hop, cette partie-là, hein, jusque-là. Il faudra remplir toute la surface ici de béton gris. Hop, ici. Toute la surface du toit, hop, ici comme ça, hein, va être remplie aussi. Ainsi que ce mur à ce niveau-là, hein, hop, jusque-là, etc., etc., va être rempli aussi, d'accord? Allez, on fait ça. Ok, voilà ce que ça donne, hein. Il faut pas oublier aussi de rester, enfin de garder vraiment le trou, hein, qu'il y a entre les deux parties, parce que sinon on pourra pas passer de l'une à l'autre. Hop, ok, donc maintenant il nous reste encore des grands trous ici, qu'est-ce qu'on va en faire? Ah, alors, on se met ici comme ça, on met un bloc sur le côté et on va remplir un mur avec du béton gris, là aussi, de un bloc vers l'intérieur. Hop, comme ça, vous voyez de notre structure, sauf que on va mettre des fenêtres dans ce genre de structure, donc on va en plein milieu et on fait un trou de, alors de 4 blocs par 2 blocs de hauteur, hein, en laissant 2 blocs ici, vous voyez, de marge à côté du grand mur ici comme ça, et de l'autre côté pareil, 2 blocs de marge à côté du grand mur. Ok, la même chose de l'autre côté, si tant est que j'arrive à passer au travers de la fenêtre. Hop, alors ici, on a notre pilier, donc on va un bloc vers l'arrière. Tiens, on va mettre un ici comme ça. Et hop, on va combler tout ça. Hop, voilà. Et pareil, on fait un pilier. Un pilier, une fenêtre. Ça n'a rien à voir. Ok, on fait la même chose ici sur le côté avec, hop, des murs qui ont des tailles un peu différentes, hop, parce que voilà, ça doit s'adapter au terrain qu'il y a en dessous. Hop, hop, tac, 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 tac.
Ok, donc là on va mettre deux fenêtres, hein, une ici, une là. On va essayer de les mettre à la même hauteur, n'est-ce pas? Trois blocs ici comme ça. Hop, trois blocs comme ça. Ça nous fait deux fenêtres de trois blocs par deux. C'est plutôt pas mal. Alors ici, on va mettre... Voilà, ça comme ça. On va venir mettre un mur comme ça, n'est-ce pas? Et on va le combler jusqu'au plafond, sauf que là, on va faire une seule fenêtre et on va faire une porte aussi. Une porte qu'on va faire ici, vous voyez, une fois que vous avez ça, tac, 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 tac. Alors oui, petite précision, je sais qu'à chaque fois, enfin pas à chaque fois, on m'a déjà dit, dans l'un des commentaires d'une vidéo précédente, que je faisais des choses, je faisais genre des murs, et après je cassais dedans pour mettre autre chose, et que ça embêtait certains. Voilà, c'est ma façon de travailler, parce que je trouve que c'est plus facile pour expliquer les choses, donc voilà, je fais ça comme ça. Hop, hop, ici on met la même fenêtre qu'en face, exactement pareil, et puis voilà. Donc, eh ben on est pas mal, on a fait la structure de la maison, la structure est finie, il ne reste plus que les finitions, bon même s'il y a beaucoup de finitions à faire, mais il nous reste les finitions basiquement. Alors, ici, c'est vrai que j'ai pas fait hein, la maison, donc normalement, il faudrait doubler toute l'épaisseur ici, comme ça, de la maison. Hop, ici aussi, voilà, hop, 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 on double l'épaisseur ici. Ok, donc, on va partir de l'entrée de la maison et on va venir mettre les fenêtres. C'est quand même une partie importante de la maison. Alors, au niveau de la partie en blanc ici, en fait, bah, on va doubler l'épaisseur, hop, comme ça, hein. Hop. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir mettre les vitres blanches. Ok, on va prendre des vitres blanches, on va aussi prendre des trappes en chêne noire, d'accord, ainsi que des murets en pierre noire. Murets en pierre noire. On va venir mettre les vitres blanches sur la partie profonde des fenêtres, donc la partie enfoncée de la fenêtre. Hein. Hop, tac, 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 tac. Hop, 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 hop. L'intérêt d'avoir des murs de deux blocs d'épaisseur, c'est donc de pouvoir faire des fenêtres de deux blocs d'épaisseur aussi. Et donc voilà, vous mettez votre vitre comme ça, et par devant, on va utiliser des murets de pierre noire. Ça, c'est vraiment la fenêtre dans le style qui avait été faite justement par le youtubeur dont je me suis inspiré. Je vous mettrai le lien de sa maison dans le premier commentaire, hein, pour ceux qui voudraient voir, hein, pourquoi pas. C'est vrai que ce style de maison est assez intéressant. Hop, hop, ici, voilà, on va faire une ligne de trappe au-dessus comme ça. Au-dessus, ça va être un peu la même chose. On va utiliser les vitres blanches, hop, comme ça. Tac, 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 tac. Ainsi que... Alors ici, on va utiliser des trappes en sapin. Comme ça. Et comme ça. Je sais pas, j'ai envie, je trouve ça rigolo. Hop, ok, une fois qu'on a ça, je vais continuer avec les vitres. On va utiliser les trappes en chaîne, tac, tac, on va les mettre comme ça. Ici, sur la partie centrale, alors là, ça va être la plus grande vitre de la maison. Les plus grandes fenêtres, pardon. Enfin, vitre aussi, oui. Alors, on va laisser 3 blocs de hauteur et on va mettre une ligne de vitre au-dessus. Et puis après, on va combler toute la partie au-dessus avec des vitres. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les trappes en chaîne noire. On va venir au sol sur la partie à l'avant, comme ça. Tac, 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 tac. Et on va les mettre de cette manière pour les plaquer contre le mur. Youp! Voilà, comme ça. La même chose de l'autre côté. Youp! 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 Comme ça. Ok. Donc ça permet d'augmenter le contraste de la maison et vous voyez, ça rend quand même vraiment pas mal. On va utiliser des petits boutons. Qu'on va mettre
ici, genre là, sur le côté. Ça donne un petit côté contraste supplémentaire. Ici, sur le côté, pareil, on va faire deux fois les mêmes fenêtres, ici et au-dessus. Et de l'autre côté, ça va être la même chose. Hein. C'est-à-dire, encore une fois, on rajoute des vitres blanches sur la partie enfoncée à l'intérieur de la maison de la fenêtre, hein, sur la partie hop, la plus profonde. Ici, comme ça, on va mettre des murets en pierre noire, comme ça, ainsi que des murets en pierre noire sur le milieu. D'accord ? On va mettre des trappes en chêne, comme ça, en chêne noire. Tac, 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 tac. Tac. Tac, 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 tac. Et voilà, quand on prend un petit peu de recul, vous voyez que ça donne un effet de contraste vachement intéressant. La même chose ici, hein, on remplit hop, toute la surface ici comme ça. Tac, bioup, 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 en vitre. Hein. Ok, voilà, ça nous fait une grande vitre. Alors, on va utiliser encore une fois les pierres noires. Tac, 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 tac. Sur les côtés, comme ça. Les murets, pardon, en pierre noire, hein, les murets. Hop, en plein milieu aussi, ainsi que les dalles, les trappes, pardon, en chêne noire sur... Enfin, les trappes en chêne noire, c'est vrai qu'elles sont foncées, mais c'est vrai qu'à côté des pierres noires, on voit qu'elles font clair, en fait. C'est vraiment... comment dire, le contraste est très... relatif. Bref, on fait la même chose au-dessus, ici, comme ça. Alors, maintenant, on va, bon, on va faire la même chose ici sur l'avant de la maison, hein, tac, 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 tac. Pour l'arrière de la maison, ça sera exactement la même chose, donc je vais vous montrer tout simplement ce que j'avais fait sur la maison la première fois que je l'ai faite, hein, la première maison. Et hop, tac, tac, tac. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre les barrières. On va mettre des barrières. Donc, on va prendre des murets, vous voyez, en pierre taillée, ainsi que des trappes en fer, ainsi que donc des murets en roche, en pierre lisse, et des dalles en pierre noire également. Voilà. Ouais, ok. On va prendre les dalles en pierre noire et on va venir sur notre balcon à ce niveau-là, d'accord? Et on va venir les mettre au-dessus comme ça. Alors, paf, 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 paf. L'idée, voilà, on va mettre une rambarde comme ça. On va mettre des piliers pour la rambarde décalés d'un bloc du mur à chaque fois. Décalés d'un bloc ici du coin, hein, ici, vous voyez, comme ça, en décale. Ok. Une fois qu'on a ça ici sur le dessus de notre partie en béton noir, en béton gris, pardon, on va mettre hop une ligne de trappe en fer. Voilà. Alors sur le dessus de la maison, à partir de là, on va mettre un bloc de muret. Comme ça, un, deux, paf, on met un autre bloc de muret. On les écarte de deux blocs à chaque fois. Hop. 1, 2, paf, 1, 2, paf, 1, 2, et paf. On va 1, 2, paf, 1, 2, paf, 1, 2, paf, 1, 2, paf, dans ce sens-là. Sauf que, ces murets ici, on va les remplacer par des murets en pierre noire, n'est-ce pas? Comme ça. D'accord. On va les monter à 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur. 1, 2, 3... 4, 5, 6... Attends, bah, j'arrive pas à compter à cause du fait que c'est noir, du coup. J'arrive pas à compter. 6 blocs, voilà. 6 blocs de hauteur. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, ok, comme ça. Une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les dalles en pierre noire. On va les mettre par-dessus, comme ça, n'est-ce pas? Tac, 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 tac. Et on va prolonger en face de chaque pilier, voilà, une ligne de... dalle en pierre noire jusqu'au mur ici. Vous voyez, en face de chaque ligne ici. En face de chaque pilier. Hop. Youp. Hop. Ok. Une fois qu'on a ça, on va reprendre les trappes en fer. On va venir les mettre ici comme ça. Tac, 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 tac.
Petite astuce pour ceux qui commenceraient sur Minecraft, pour pouvoir placer les trappes, alors en fer on peut les placer directement comme ça, mais les trappes par exemple, ici en bois, hein, si vous voulez les placer comme ça, eh bien lorsque vous activez votre clic droit, bah ça active la trappe. Donc l'idée pour pouvoir placer une trappe à côté, c'est de vous accroupir en l'air et de les placer comme ça. Alors, voilà. Ici. Ouais, comme ça, ça fait mieux. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. On prolonge ici, comme ça, entre les piliers. Voilà. En pierre noire. Et on va mettre un petit peu de décoration dans la... comment on appelle ça, dans la machin. Alors on va utiliser des escaliers en tuf parce que on les utilise jamais, les escaliers en tuf. Je trouve ça dommage. Du coup on va utiliser les escaliers en tuf, on va utiliser les tapis blancs, on va utiliser aussi les ficelles que je ne trouve pas. Hop. Et donc escaliers en tuf, on va les mettre ici, espacés de deux blocs chaque, parce que pourquoi pas. Hop, on va mettre des ficelles ici comme ça. D'ailleurs, j'ai envie de mettre des blocs de tuf. Blocs de nésurite. C'est vrai que j'utilise jamais ça non plus, les blocs de nésurite. Les blocs de tuf. Tuf poli. Voilà, on va en mettre deux comme ça. Puis on va mettre des tapis. Tac tac comme ça, au-dessus des ficelles, comme ça on aura vraiment l'impression que les tapis volent dans les airs et est juste soutenu par ces blocs de tuf à côté. Ok. Ok, donc ici là, derrière la maison, on va ouvrir ici comme ça, hein, donc au-dessus de notre grand couloir. Et on va utiliser des escaliers en andésite. Tac, 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 sur trois blocs de large, comme ça, pour faire un petit escalier ici pour atteindre la terrasse, tout simplement. Ok, on va faire un deuxième escalier ici à l'intérieur de la maison. Hop, 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 ici comme ça, tac, tac, tac. Et ici, vous voyez, vous avez un petit carré de béton gris clair. Et donc, du coup, on va l'enlever, on va mettre du béton gris à l'intérieur. Et vous voyez, c'est un petit peu plus saillant, c'est un peu plus joli. Ici, on fera un trou, hop, comme ça. Comme ça plutôt. Pour atteindre, pour aller en dessous, comme ça on va faire un escalier ici avec une mezzanine. Et donc l'idée c'est que là vous voyez vous avez un trou, et bien on va le remplir, on va combler ici, voilà comme ça, tac 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 tac, combler le trou ici, là ça sera pour l'escalier. Et on va faire l'escalier à l'intérieur, hein, pour pouvoir quand même accéder à la partie du toit. Ok, donc ici on va faire une grande mezzanine. Et donc pour ça on va utiliser le béton gris. On va venir ici sur le côté, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça, hein, 1, 2, 3, 4 et 5 blocs ici comme ça. Donc on va laisser 1, 2, 3, 4 et 5 blocs de marge par rapport au bord du mur. Et après au sixième bloc on va placer notre premier bloc. De mezzanine, hein, on va faire vraiment tout le long ici. De l'autre côté du mur, sur la même hauteur. Alors attendez, je vais utiliser une potion de vision nocturne parce que on y voit moins bien à l'intérieur quand même. Ah, c'est une splash, ok, paf. Ok, on va partir ici du mur qui a été doublé, hein, et on compte 1, 2, 3 et 4 blocs. Et au quatrième bloc, on met notre deuxième ligne ici. Et tout l'intérieur de cette surface là, on va la remplir en bloc de béton gris rapido. Hop, speedy speedy. Et alors du coup on va faire un escalier pour aller, pour atteindre cette petite plateforme là déjà, tac, hop, qui va venir sur le côté ici là, vous voyez. Donc on va faire un escalier qui va arriver ici, on va faire un petite plateforme de 3 blocs de long ici comme ça, et on va venir mettre des escaliers en bloc, donc de pierre noire ici comme ça.
Escalier en pierre noire, parce que c'est ce qui se marie le mieux avec le béton gris, hein, tout simplement. Paf, 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 n'est-ce pas? Ok. Une fois qu'on a notre premier escalier comme ça, en fait, on va utiliser l'ouverture qu'on avait fait ici. Et on va venir mettre des escaliers à partir de là. Hein. Tout était contrôlé, bien évidemment. Hein. Une chute parfaitement maîtrisée. Hop. Et on va descendre. Hop. Comme ça. Et normalement, vous atterrissez à peu près à côté, voilà, de notre premier escalier ici, comme ça. Et donc, entre les deux, on a juste de quoi mettre une barrière en pilier de pierre taillée. Paf, en muret de pierre taillée. Voilà, et donc ici, comme ça. Alors, maintenant, les trappes en fer. Air trap, qu'est-ce que c'est que ça? Trappe en fer pour faire le reste. Hop, tac. Non, mais non, voilà. Ok. Donc à partir de là, normalement, hop, vous pouvez monter. Alors peut-être enlever celui-là, voilà. Jusque dans votre grenier. Alors ici, sur cette partie-là, on va utiliser les blocs d'andésite et on va prolonger, à moins que vous n'ayez une idée d'aménagement pour une partie comme ça. C'est-à-dire en basse, comme ça, de la maison. À la limite, une piscine d'intérieur, un jacuzzi. Même si ça fait un peu bizarre de mettre un jacuzzi à ce niveau-là de la maison. Comme vous voulez. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prolongé tout simplement la partie en andésite, ici, comme ça. Et j'ai fait une pièce un peu plus grande, mais à la même hauteur. Comme ça, bon, ça a plus de possibilités d'aménagement. Ok. Donc ici on a un mur qui est pas très très joli, vous voyez, hein, donc l'idée c'est qu'on va doubler, hop, ici comme ça, l'épaisseur, hop, du mur. Alors on peut faire ça sur toute la surface du toit, mais là c'est déjà pas mal. Hop, ici on va mettre, hop, hop, hop. J'ai pas de trappe. On va mettre une barrière de la même manière avec des murets et des trappes. Hop. On va remettre, voilà, même deux blocs d'andésite ici comme ça. Et à la limite, vous voyez, vous avez de l'andésite ici dans le sol. On va peut-être mettre un petit muret comme ça qui peut faire office des deux côtés de choses à poser dessus. Vous voyez, on peut poser par exemple des pots de fleurs. Hop. Avec un cactus dedans. Pourquoi pas? Pourquoi pas un cactus? N'est-ce pas? Hop. Pouf. Ça aurait été mieux des fleurs, c'est sûr, mais bon. Alors, est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire sur notre façade? Alors, sur la façade elle-même, il y a les végétations et la lumière à rajouter. Donc, on va utiliser des barres de LED. D'accord? Barres de LED. On va venir dans le creux ici. Hop, et on va venir mettre une barre de laine dans le creux. 1, 2, 3, on met une autre. 1, 2, 3, et paf, on arrive ici. Et on va utiliser des feuilles. Et on va les mettre comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Des feuilles comme ça. On va réutiliser les barres de laine et on va venir les mettre à l'envers, ici, comme ça. Pour mettre des feuilles en chaîne qui pendent du plafond en dessous les barres de laine. Ok, déjà ça nous fait quelque chose d'un petit peu plus habillé, un peu plus sympa. Sur le côté de la maison, ici, on va rajouter, sur le côté là, alors, je sais plus comment j'avais fait ça, l'idée c'est de rajouter des lignes de feuilles, des petits blocs de feuilles comme ça, qui vont être alignés avec les décorations qu'il y a en dessous. En gros, cette partie-là de la maison, elle est vraiment pas très compliquée à faire. J'ai mis un pot de fleurs comme ça collé sur la paroi, je vais le faire avec vous, et le reste c'est vraiment de la décoration avec des trappes, parce qu'honnêtement c'est vrai que c'est la partie de la maison avec laquelle j'ai eu la plus de difficultés en vrai. Donc là on a 3 sur 8, ça marche. Donc pour faire le pot de fleurs qui est collé à cette paroi,
On va ici sur le coin ici, là, vous voyez. On compte 2, 3 blocs, 1, 2, 3 comme ça. Hein. Après, on va dans ce sens-là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs. On va jusqu'au mur ici comme ça. Et on fait, hop, comme ça sur 3 blocs de profondeur. Tac, tac, tac. Ok, comme ça. Une fois qu'on a ça, on va venir prendre les blocs d'herbe. Et on va venir les mettre ici. On va venir utiliser les barrières en chaîne classique. Ainsi que les feuilles en chaîne normales. On va venir les mettre ici. 1, 2 et ici. Hop, on en met 3. 1, 2, 3. Et 4. 1, 2, 3, 4 feuilles comme ça. 1, 2, 3, 4 feuilles. 4 feuilles comme ça réussi. Ok, et l'idée c'est que maintenant on va utiliser les trappes en chaîne sombre. Ici comme ça, en chaîne noire. Ici vous voyez, vous avez une connexion de texture entre les deux bétons gris, ce qui est pas très joli. Du coup on va mettre une ligne comme ça de trappes en chaîne noire pour casser les connexions de texture. Hop. Et on va utiliser... toujours la chaîne, les blocs de chaîne noire. On va prendre nos blocs de feuilles ici. On va laisser 1, 2 et 3 blocs sur le côté. On va monter jusqu'au plafond, jusqu'au toit. Et on va venir faire une ligne comme ça sur le bord du mur en trappe. On va juste laisser 2 blocs par rapport à la ligne qu'on a mis ici. Vous voyez, donc on est décalé de 2 blocs des feuilles. Et de 2 blocs au-dessus des trappes. Ok. Une fois qu'on a ça, on va venir prendre le dernier ici. On va compter 1, 2, 3 blocs sur le côté. 1 et 2 au-dessus. Et on refait une ligne jusqu'au plafond. C'est pas un plafond, c'est jusqu'au bord du toit, jusqu'au toit en fait. 1, 2, 3, 1, 2, hop. Tac, 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 tac. On refait la même chose. 1, 2, 3, 1, 2. Et voilà. Une fois qu'on a ça, l'idée c'est de reprendre les feuilles de chêne et venir au-dessus ici faire des lignes comme ça, de 3 blocs, hop, qui soient alignées tout simplement avec les feuilles en dessous, vous voyez, ainsi qu'alignées avec les trappes, les lignes de trappes qu'on a ici aussi. 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3. On met une autre. Hop. Voilà, vous voyez, voilà. Ok, donc là, la façade, je pense, elle est pas mal. On va reprendre les dalles, pas les dalles, les trappes en chaîne noire. Et on va venir les mettre ici. On va faire la ligne tout autour de notre toit, finalement. Tac, 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 tac. Et par-dessus, à l'intérieur en fait de ce toit, on va rajouter l'aération. Les bouches d'aération qu'on va faire en rail. Avec des plaques de pression en pierre. Ici par exemple en plein milieu, on met un rond. Hop, pour que ça. Enfin, on met des rails en rond pour que ça fasse des ronds comme ça. Et on met des plaques de pression tout autour comme ça. Tac 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 tac. Et à côté, on peut mettre un petit paratonnerre, parce que c'est la première fois que j'utilise ça sur une maison sur Minecraft. C'est vrai qu'ils existent depuis longtemps, mais je les utilise jamais en fait. Donc voilà, c'est l'occasion. Ok, sur le côté de la maison qu'on n'a pas encore fini, du coup, on va reprendre ici, là, notre ouverture qu'on n'a pas encore fini. On va prendre les dalles en quartz lisse. Et on va venir faire une ligne de dalle au-dessus comme ça, sur 2 blocs de large. Hein, et on va les prolonger, hop, sur 1, 2, 3 blocs sur le côté. Et de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs sur l'autre côté, vers l'arrière de la maison. Comme ça, n'est-ce pas? Et une fois qu'on a ça, on va venir utiliser le béton gris. Et on va venir faire... un prolongement comme ça de 2 blocs, peut-être voire même 3 blocs sur le côté
ici comme ça, et la même sur l'autre côté. Hop. Pour que ça soit la même longueur que la partie en quartz au-dessus, comme ça, vous voyez. Ok, on fait ça comme ça. On rajoute des murets. Ah bah, je les ai sur les côtés. Les murets en pierre noire. On va venir les mettre ici, comme ça. Hop, vous voyez. Et de l'autre côté aussi, sur les bords. Et en plein centre, eh bien, on va rajouter des vitres blanches. En laissant deux ou trois blocs ici d'espace pour pouvoir passer quand même, hein, c'est une ouverture. Ok, un petit détail nous reste à faire. Hop. On va utiliser des escaliers en pierre noire. Hop, et en face de l'ouverture ici, on va mettre des escaliers. D'ailleurs, tant que j'y suis, on va utiliser aussi des dalles en roche lisse. Et on va venir vers l'avant de la maison, ici comme ça, et en face de l'ouverture, tac, 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 hein, sur 4 blocs, on va ouvrir sur 2 blocs de profondeur, et on va mettre une marche de 4 par 2 en face de la maison, de l'ouverture. On va faire la même chose de l'autre côté, ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tac, 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 ok. Alors, de ce côté-là, je pense qu'on a fini la maison. Alors, sauf peut-être ici au niveau des fleurs. On va rajouter des fleurs, des lilas. J'ai essayé avec des rosiers, mais c'est un petit peu trop pétant à mon goût, les rosiers. Donc, deux lilas comme ça, et le reste en fougères. Des fougères d'un seul bloc de hauteur. On va venir les mettre comme ça par devant. Ok. À l'arrière, ça sera exactement la même chose que ce qu'on a fait sur l'avant de la maison. Donc, je vais tout simplement vous montrer ce que j'ai fait sur, sur le modèle, en fait, tout simplement. Ok, alors, on va partir du haut, on va aller vers le bas. Alors, sur les fenêtres, bah, vitres blanches avec ligne de trappe. Voilà, bon, le classico, hein, celui qui marche bien. La même chose ici, voilà, les vitres blanches, ligne de trappe au-dessus, en dessous. Hop, ici, là, vous voyez, on va faire une ligne de trappe en fer, comme ça, qui va combler toute cette profondeur-là, sur 4 blocs de profondeur et sur toute la longueur ici jusqu'au bord. En dessous, on va, autour des fenêtres ici, comme ça, utiliser les trappes en chêne noire, et on va vraiment faire un cadre comme ça, ok? C'est-à-dire que sur le côté ici, c'est pas bien dur, vous partez du sol, comme ça, hop, et vous les mettez les unes par-dessus les autres. Tac, 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 tac. Et vous voyez, celui du sol, vous l'enlevez. Et ça vous fait un truc nickel. Quelques escaliers. Alors là, c'est des ardoises des abîmes. Mais moi, j'avais utilisé du tuf sur notre maison. Mais voilà, vous faites des transats en tuf ou en ardoise des abîmes. Pourquoi pas. Ici, on va utiliser les dalles en pierre noire. On va les mettre sur le bord de notre mur ici. Comme ça, on va faire hop, une barrière de 4 blocs de longueur. On va laisser un bloc au niveau du bord, hein, de la maison. On va laisser un pilier ici, jusque ici, à côté de notre partie en andésite. Et on recolle à côté comme ça. On met des trappes en fer partout au-dessus. Et c'est nickel. Pareil au niveau de l'éclairage, on met des end rods avec des feuilles de chêne en dessous, hein, comme on avait fait de l'autre côté. Hein, comme je vous ai dit, c'est vraiment pareil. Ici, on va faire, pareil que de l'autre côté, une surface en vitre blanche, des trappes en chêne sur les côtés, ainsi que par devant comme ça, ce qui fait que lorsqu'on s'éloigne un petit peu, on a vraiment l'impression d'avoir un encadrement de la fenêtre. Et les boutons sur les côtés ici. Par rapport à la partie en quartz, les boutons, ils sont à 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur. Ici, sur cette grande fenêtre, bah, c'est la même chose que de l'autre côté. Hein. On met vraiment les vitres, les murets en roche noire sur les côtés, ici et sur le milieu. Les vitres blanches par derrière, la ligne de trappe au-dessus. Et on va juste rajouter des dalles en pierre noire ici sur 3 blocs, juste à côté, vous voyez, de la fenêtre. Hein. Et sur toute la longueur, sauf que on va laisser un bloc de marge par rapport à la partie en andésite. On aurait pu coller à la partie en andésite comme ça, on ne le fait pas. On va
rejoindre le bord de la fenêtre ici comme ça, tac tac tac. Ici, ben pareil, hein, encadrement avec des trappes, tac tac. End rod avec barre de l'end avec des feuilles en dessous, au-dessus. Voilà. Voilà, exactement pareil que de l'autre côté, hein, des barres de l'end avec des feuilles dans le creux. Alors ici, c'est un petit truc différent vu que là, on a notre partie en quartz qui traverse toute la maison quasiment. Et comme elle fait deux blocs de profondeur, en dessous, on va pouvoir utiliser des lanternes aquatiques pour les incruster dans le plafond. Vous voyez, à un bloc d'espace par rapport à la partie en andésite. Et à 6 blocs d'écart entre chaque. Entre les deux, là, entre là et là, vous avez 6 blocs. Vous en mettez une deuxième. Et entre là et là, 6 blocs aussi. Et normalement, vous avez 2 blocs d'espace par rapport au mur. Là, encore une fois, hein, barre de laine, feuille. Ici, muret, pierre taillée. On les espace de 2 blocs à chaque fois. Hein. L'idée, c'est de commencer même à partir du coin. Comme ça, c'est plus facile. Et vous espacez les deux, les autres murets à 2 blocs chacun. Avec des trappes en fer au-dessus. Et puis voilà, quelques petits pots de fleurs ici avec des orchidées pour faire joli. Là aussi au niveau du bas. Et puis on est pas mal sur cette façade là je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Alors, sur cette partie là, c'est un petit peu plus technique. Hop. Hop. Je vais le faire avec vous. L'idée, c'est d'utiliser pas mal de trappes en chaîne. Vraiment beaucoup, beaucoup de trappes en chaîne. Ici, là, c'est-à-dire juste à ce niveau-là. Ok. On va les faire déborder en dessous de la partie en béton gris. Tac, tac, comme ça. Ok. On va utiliser les trappes en fer maintenant. On va les mettre à un bloc au-dessus des trappes en chaîne. Tac, tac, voilà. Ok. On va utiliser toujours les trappes en chaîne, on va les mettre ici. Tac, tac, tac. Sur 3 blocs. Ok. En dessous, on va utiliser les murets en roche noire, on va les mettre ici. On va les faire coller jusqu'au plafond. On les espace de 2 blocs chacune. Hop, vous voyez, donc il y a bien 2 blocs entre chaque pilier. La même chose de l'autre côté. Hop, à partir de là, tac, tac et tac. D'accord. Et on va les monter jusqu'au plafond, eux aussi. Hop. Hop. Et hop. Et ici, donc, là où il n'y a rien du tout, on va utiliser des feuilles de chêne. Un coup sur deux, comme ça. Et on va les monter à 1, 2, 3. 4, 5, 6 blocs chacun d'entre eux. Ok. Une fois qu'on a ça, et bien ici là, on va pas changer une recette qui marche. Alors ici, tiens, on va combler parce que ça fait pas. On va pas changer une recette qui marche. On va utiliser des vitres blanches ici. Et on va remplir la surface en laissant juste une ouverture pour pouvoir passer. 2, 3 blocs. Hop. N'est-ce pas? 1, 2, 3, c'est bon. Jusqu'ici. Ok, tac, tac, tac. Ainsi que des murets. Non, paf, paf, voilà. Comme ça, un muret en plein milieu. La limite, ceux-là, on les enlève aussi. Et puis, on est pas mal. Ok, donc, il nous reste vraiment les finitions à faire. Donc, on est quasiment à la fin, là. On arrive. Les trappes en chaîne. Hop. Pour les mettre au niveau du socle, ici, vous voyez, on va mettre des trappes en chaîne ici, comme ça, sur la longueur. Ok. Mais on va pas les mettre partout. Ici, là, vous voyez, on va pas les mettre ici sur devant. On va les mettre sur le côté, ici. Sur toutes les parties qui sont un petit peu enfoncées. Ce que j'appelle enfoncées, c'est-à-dire qui ressortent pas de la structure. On mettra des trappes en chaîne. Ici aussi, sur le côté. Trappe en chaîne, n'est-ce pas? Voilà. Ici, donc, ça ressort, donc on n'en met pas. Ici, ça ne ressort pas, donc on en met. Vous avez compris l'idée un peu, j'imagine. Ici, là, pareil. Tac, tac, tac.
Ok. Et ici, on va faire l'inverse. On va mettre que sur les parties où ça ressort. Parce que la logique... tout ça. Hop, on les met ici aussi. Voilà. Alors, une toute petite dernière finition. Et vous voyez qu'elle est quand même pas mal. Hein. Ça va, sympa, sympa la maison. Hop, ce sont les capteurs de lumière. Les bons vieux capteurs de lumière. Ainsi que des trappes en fer. Parce que j'ai envie de changer un petit peu par rapport à mes bonnes vieilles habitudes. Hop. On va faire une ligne ici de capteurs de lumière, comme ça. Voilà, sur à peu près ça de long. Hop, tac, 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 tac. Donc, on va faire, hop, de là à de là, ça va lui faire 8 blocs. Et de là à re, de là, ça 5 blocs. Donc, 8 par 5, en mettant une ligne de 4 blocs ouverts sur le milieu. D'accord ? Et on met des trappes en fer. Ah, bah oui, forcément. Donc, on va pas mettre des trappes en fer, on va mettre des plaques de pression. Des plaques de pression en fer, parce que les trappes, elles s'activent, du coup, c'est moins sympa. Ici, comme ça. Et, ma foi, je pense que cette fois-ci, on est pas mal. Peut-être au niveau de l'intérieur. Est-ce que j'ai bien découpé les pièces au niveau de l'intérieur? Oui, j'ai pas mis la... J'ai pas mis les éclairages, mais les éclairages, je vous les ai déjà montrés. Hein, c'est des end rods, donc des barres de l'end avec des feuilles. Donc ici, ouais, ça peut être sympa de rajouter, hop, ce mur là, comme ça, hop, en béton. L'intérêt de cette maison aussi, c'est que vous pouvez donc creuser dans les murs, par exemple, pour faire une étagère comme ça creusée dans les murs, vous voyez, par exemple. Ça peut être des astuces de décoration comme ça. Et ici, bah, je vous ai montré aussi. Donc c'est cool. Hop. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo, pour le prochain tutoriel. Merci à tous. Bon vent matelot. Ah, j'arrive plus à parler, c'est la fin de vidéo. Bon vent matelot. Et à la prochaine.